Salut les amis, c'est Monsieur Puss et aujourd'hui je suis à Saigon au Vietnam et bienvenue au Mia Saigon Luxury Boutique Hotel. Et bienvenue au Mia Saigon Luxury Boutique Hotel situé au bord de la rivière Saigon dans le district 2. Allez les amis, on commence directement par ma chambre et j'espère que vous êtes bien assis parce que ça va envoyer du rêve. Voici tout d'abord la chambre car oui, il y a plusieurs pièces, c'est une suite. Et là, vous remarquez, il y a un P sur un des coussins car c'est la première lettre de mon prénom. Et devinez quoi? Ils ont évidemment toutes les lettres de l'alphabet, vous aurez donc votre coussin personnalisé. Dans la même pièce, vous avez également un bureau pour bosser ou pour faire un Monopoly. Oui oui, moi non plus, je ne m'attendais pas à ça. Maintenant, voilà la magnifique salle de bain avec de chaque côté un lavabo, comme ça, pas de dispute. Mais ici, ce que je préfère clairement, c'est cette splendide baignoire. Considérez la pièce suivante comme le salon avec tout le nécessaire pour vous faire sentir comme chez vous, avec notamment un mini bar digne de ce nom. Regardez, vous avez même un shaker, de quoi vous improviser barman. Puis si les cocktails c'est pas votre truc, vous avez également la machine espresso. Vous avez vu, il y a le shaker pour cocktail, qui dit cocktail dit alcool. Et regardez ça. Vous voyez, je vous le dis, ici ils font pas les choses à moitié. Puis pour apprécier votre boisson, rien de mieux que de se poser sur ce joli balcon. Et en tant que gros gourmand, faut pas que j'oublie de mentionner quand même les petits gâteaux qui vous attendent avant d'arriver dans la chambre. Ils sont tout simplement délicieux. Alors, ils ont pas l'air délicieux ? Puis, vous en faites pas, si vous êtes au régime, il y a toujours la corbeille de fruits. Maintenant, voici la chambre qui est le standard juste en dessous de la mienne, mais qui reste tout aussi époustouflante et confortable. Avec également un joli balcon, une super salle de bain toujours avec baignoire et douche, et enfin, aussi la partie salon. Après une bonne nuit dans votre magnifique chambre, il est l'heure de passer au petit déjeuner. Ici pour le petit déjeuner, vous avez un buffet proposant du sucré avec toutes les bonnes choses qu'on aime, comme vous pouvez voir. Mais vous avez également la partie salée, comme ça il y en a pour tous les goûts. Mais moi, pour mon petit déj, j'ai choisi un plat à la carte et ce sera donc un com tam, qui est une spécialité vietnamienne. Évidemment, il y a des chances que vous faites un peu d'excès lors du petit déjeuner, alors pour brûler quelques calories, direction la salle de sport. Bon, puis une fois que vous avez bien transpiré à la gym, je vous propose d'aller juste là, au spa, pour un petit massage. Ce spa propose plusieurs types de massages, alors asseyez-vous, choisissez celui qui vous convient le mieux tout en vous plongeant déjà dans l'ambiance avec votre thé chaud. Une fois choisi, il ne vous reste plus qu'à profiter. Parce que la vue est trop dure ici à cet hôtel, après le spa, j'ai décidé de me caler au bord de la piscine pour boire un petit smoothie. Et en plus, il est délicieux. Sincèrement, avec la météo qui fait à Saigon, une bonne boisson rafraîchissante au bord de la piscine, ça ne se refuse pas. Puis regardez, vous n'avez que l'embarras du choix pour vous caler confortablement au bord de la piscine. Mine de rien, le temps passe super vite, donc je suis de retour dans le restaurant de l'hôtel pour manger une spécialité vietnamienne, une fois de plus, un bol de pho. Pour la conception de ce bol de pho, des ingrédients de qualité associés à des chefs professionnels font que vous allez apprécier au max toute la saveur de ce plat vietnamien. Allez, bon appétit. PS, ne vous en faites pas, ils ont aussi une cave à vin. Maintenant, voici le magnifique lobby où se trouve la réception
et le bar. Le tout est magnifiquement décoré avec entre autres de très anciennes céramiques de plusieurs centaines d'années. D'ailleurs, l'hôtel expose également d'autres œuvres d'art telles que des posters originaux de propagande, des anciens livres et magazines vietnamiens et tant d'autres. Chaque étage a son thème. Petit aparté pour dire que cet hôtel est le premier au Vietnam à obtenir le certificat LEED qui atteste que l'établissement et son bâtiment ont un impact réduit sur l'environnement au niveau écologique et énergétique. L'hôtel a également un ponton au cas où vous arriverez en bateau. Stylé, non ? Et maintenant, c'est l'heure d'un petit cocktail pour le coucher de soleil et en plus, il est joli. Quand je dis joli, je parle du cocktail et du sunset. Maintenant, sincèrement, quoi de mieux qu'un bon cocktail devant un magnifique coucher de soleil ? Ça n'a pas de prix. Enfin si, celui du cocktail. Et pour finir, je suis de retour au restaurant et je sais que vous allez vous dire mais ce mec c'est un gogoinfre, mais cette fois-ci je vais goûter un plat un peu moins exotique, je vous montre tout ça. Comme le restaurant propose également de la cuisine occidentale, j'ai donc opté pour un pavé de saumon et en dessert un délicieux fondant au chocolat qui était tout simplement divin. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si vous désirez réserver une ou plusieurs nuits dans cet hôtel, je vous mets un lien dans la description. Et sachez également que vous n'avez pas besoin d'être client de l'hôtel pour accéder au restaurant et au bar. Maintenant, les aventures continuent, prochaine destination, le Cambodge, et je vous dis donc à la prochaine sur ma chaîne, la bisette. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et maintenant si vous voulez ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. À bientôt.